Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Tiens, tout à l'heure j'ai vu Jane Fonda. Bah, jusqu'à présent, elle était restée sans faire de chirurgie. Et bien ça y est, voilà. Donc elle est complètement défigurée, on dirait une botte d'un œuf. Jean-Luc Reichmann avait mis sa chemise avec son œuf. Ouais, le maître de midi 294 007. Il est content. Au coup d'envoi la première, question trop dure. Alors en plus c'est super rigolo parce que quand vous voyez cette question, bah vous verrez à la fin quel est le seul schtroumpf barbu. Donc bien sûr, tout le monde le connaît, donc question facile. Après donc vous aviez la jolie Cassandra qui était venue avec ses parents, donc bonjour à tout le monde. Alors la question à la SNCF, quelle est la première cause des retards des trains? Moi, je pensais que c'était les suicides, donc c'était les bagages oubliés. Après, elle est arrivée en dansant, elle était trop mignonne, donc 89 ans. Elle nous a dit, la pauvre, qu'elle avait un cancer. Mais bon, elle était très, comment dire, très positive. Bon, elle adore les 12 coups de midi. Elle a dit que du bien des 12 coups de midi. C'est-à-dire, voilà, donc ça fait partie des gens qui regardent l'émission sans se rendre compte que, bon, voilà, qu'il y a des petits arrangements. Mais bon, c'est pas grave, ça fait plaisir aux gens. C'est-à-dire que, comme elle l'a dit, donc il y a des gens qui sont dans les EHPAD, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. Et bien, voilà, ça peut, pendant un instant, donc voilà, donc ils se prennent pas la tête à savoir si, voilà, il y a des questions de bébé ou pas. Donc voilà, donc elle était très 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 mignonne. Sa première question, à quel endroit du corps porte-t-on un piercing dit Spider-Bit? Et donc bien sûr c'était à la lèvre. Après c'était, je sais pas son prénom, donc voilà, le grand à lunettes qui était venu avec ses parents. Alors, qui chante n'importe qu'importe sonorité disco, eh bien c'était Juliette Armanet. Ensuite, selon Thierry Roland, que pouvait-on faire tranquille après avoir vu la France gagner la Coupe du Monde 80? C'était quoi après? Dans quel pays d'Europe compte-t-on le plus de millionnaires? Donc, pareil, oui, c'est l'Allemagne. Donc, sur cette question, Cassandra est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris, comment il s'appelle, Thomas. Donc, elle a pris Thomas en duel, qui est tombé sur une question bah, qui n'était pas évidente. Quel pays abrite deux rivières appelées pommes de terre? Alors, c'est super rigolo, parce que bah, quand vous verrez donc la fin de ma vidéo, au début, il y a eu les Schtroumpfs. Et là, vous avez une question sur le Canada. Bon, passons. Et donc, bon, bah, il a dit le Canada, parce que bon, c'est vrai que ça semblait canadien ou peut-être belge, et en fin de compte, c'était les États-Unis. Donc, eh bien, le Thomas, eh bien, il a été éliminé, et Cassandra, elle est contente. Donc, eh bien, ensuite, Cassandra, le maître de midi, et Marguerite se sont retrouvés au coup par coup. Qui est correctement associé au lieu figurant dans le titre d'une de ses chansons? Donc la mauvaise réponse, c'était Michel Jonas Miami. C'est vrai que je n'avais jamais entendu Jonas parler de Miami. Pourtant, Bernard Lavillier et Brooklyn, ça c'était connu. Ensuite, pour Cassandra, quelle ville est correctement associée au cours d'eau qu'elle traverse? Tiens, la crise de rire. Le cours d'eau, et lui c'est Monsieur Ducourneau. Et bien voilà, donc il s'est planté, donc voilà. Eh ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est-à-dire, le maître de midi, moi ce qui me fait rire, c'est que voilà, il a deux trucs où il est un peu fort, c'est la musique et un peu le cinéma. Voilà. Donc le reste, bon, c'est une buse. Bon, donc voilà. Ensuite, donc il était passé à l'orange en plus. Quel film apparaît si l'on replace les points de suspension par l'un des quatre points cardinaux? Donc là, c'était facile. Donc là, c'est Marguerite qui est passée à l'orange. Pourtant, Bienvenue à Old Sud, c'était connu. C'était le Bienvenue chez les, comment dire, chez les Ch'tis, mais je crois que c'était la version italienne, qui n'était pas terrible en plus, hein. Donc voilà. Ensuite, eh bien, elle a chanté une chanson. Donc je ne sais plus ce qu'elle a repris comme chanson. C'était Le plus beau tango du monde, mais sur, comment dire, sur les 12 coups de midi. Donc c'était... C'était mignon, je pensais que Jean-Luc Reichmann allait pleurer. Il était à deux doigts de rigoler, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, qui est ou a été membre des Rolling Stones?
Donc, bon, vous voyez, encore des questions où le maître de midi ne peut pas se planter. Eh bien, la mauvaise réponse, c'est Cassandra qui s'est plantée, parce que je crois qu'elle a dit Roger Glover, et donc c'était René Wood. Donc, sur cette question, eh bien, Cassandra est passée au rouge. Qui dit rouge a dit duel. Elle a pris Marguerite en duel, qui est tombée sur une question très facile, qui est le personnage surnommé Mahatma, aide à son peuple à se libérer de la domination de l'Empire britannique. Donc, bien sûr, c'était pas Mao, c'était pas Trotsky, c'était pas Ho Chi Minh, c'était Gandhi. Voilà. Donc, bon, et comme le dit mon t-shirt, au pays de Gandhi, comme tout dans tous les pays, nanana, on rit. Bon, passons. Donc, ensuite, eh bien, Cassandra, elle aussi, eh bien, elle a chanté. Ouh, et ensuite, eh bien, Marguerite et le maître de midi se sont retrouvés en coup fatal. Mais là, ils ont envoyé la pub. Bon, j'ai vu qu'il y a un petit blanc sur ma vidéo. Bon, c'est pas grave, hein, bon. Allez, coup fatal, première question, quoi, plutôt la deuxième, j'ai raté la première. Grâce à quelle poudre fine dit-on qu'un poisson a été cuit façon meunière? Et là, elle a mis au moins, je sais pas, 10 secondes à répondre, et en plus, c'était la farine, hein, tout simplement. Après, qu'est-ce qui peut être plat en 8 de chaise ou coulant? Donc là aussi, elle n'a pas pu répondre. Ensuite, qui appelle-t-on familièrement les flics? Ça y est, elle a pu répondre. Ensuite, quelle grande ville de Turquie est à cheval sur l'Asie, l'Europe? Donc bien sûr, c'était Istanbul. Traditionnellement, quels légumes cuisine-t-on en fagot enroulé dans du lard? Les haricots verts, elle a trouvé. Dans quelle grande ville d'Algérie peut-on se promener dans les quartiers de Bab El Oued? Donc bien sûr, c'était Alger, quoi, l'Algérie. Donc là, la crise de rire, hein. Donc vous voyez, donc bon, je dis pas que, mais bon, lui, il avait l'air bon. Passons, lors d'un échange, que tiennent dans leurs mains les tennismans? Donc là, elle a eu du mal à répondre. Enfin, c'est pas qu'elle a eu du mal, elle a mis du temps plutôt. Donc bien sûr, c'était la raquette. Quelle équipe de basket a été immortalisée par un dessin animé des années 70? Donc bien sûr, c'était les Harlem Globetrotters. Je crois même que la musique, c'était les Jackson, Jackson 5, qui avait fait la musique. Quel pays d'Afrique a un drapeau bleu avec une étoile blanche en son centre? Donc c'était une question pour elle. Vous voyez, même la pauvre, elle a déjà qu'elle a du mal à répondre. En plus, il lui met des questions dures. Donc c'était la Somalie. Après, selon l'expression, à quel objet une personne à qui a de la ressource a-t-elle plusieurs cordes à son arc? Pendant la Seconde Guerre mondiale, quel pays a établi des commandantours en France? Donc bien sûr, ça c'était pour lui, c'était l'Allemagne. Quel quotidien ayant son siège Clermont-Ferrand a le même nom qu'une chanson de Jean Ferrat? Donc là, il a dit l'Auvergnat, donc Jean Ferrat, ouais. Toi l'Auvergnat, donc bien sûr, mon Dieu, que la montagne, donc c'était la montagne, donc voilà, bon, ouais, c'est le maître de midi, hein. Avec quel pays Avec quel pays la France métropolitaine partage-t-elle sa frontière la plus au sud? Vous savez ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le Brésil. Bah oui, au plus France métropolitaine. Donc métropolitaine, c'est la France-France, hein, d'accord? Bon, donc plus au sud, bon, qu'est-ce que ça peut bien être? Hein? Bah, il a dit Brésil. Bah, je crois que je vais partir en week-end à Rio de Madrid. Hein. Voilà. Après, alors ça c'est une question pour lui, hein. Donc ça c'est la question qui tue, hein. Combien l'homme a de narines, hein? Donc voilà, donc ça je me tâte, hein. Donc et puis à la fin, la pauvre, mais alors regardez, quand on regarde les scores, c'est-à-dire que même la pauvre, elle avait du mal à, c'est-à-dire qu'elle mettait beaucoup de temps à répondre, et même avec l'handicap qu'elle pouvait avoir, quoi. Quand je parle d'handicap, elle n'était pas handicapée physique, hein. C'était un handicap, bon, elle mettait beaucoup de temps à répondre, etc. Eh bien, il lui restait que 16 secondes. Vous voyez, donc, mais bon, voilà quoi. Donc après, elle a été trop, trop, trop mignonne. Voilà, donc, il y a des gens qui sont vraiment bien. Voilà, donc, bon, bah, passons après par rapport au coup de maître. Que nous est-il arrivé quand on dit qu'on s'est fait saucer? Est-ce que Saucé s'est trompé? Hein, donc bien sûr, on a pris la flotte. En 1998, alors j'aime bien parce que tout à l'heure, il a eu une question sur Thierry Roland. Donc en 1998, où Yves Saint-Laurent a-t-il célébré ses 40 ans de carrière? Eh bien, il a dit l'autre.
Donc, bien sûr, c'était au Stade de France, mais bon, c'est lui le plus grand maître de midi. Et surtout qu'il y avait tous les mannequins qui avaient défilé au Stade de France avant le match France-Brésil. Mais bon, peut-être que monsieur ne savait pas. Donc, voilà. Ensuite, où se trouve. Alors, ça, c'était dur par contre. Hein. Où se trouve le Crêt de la Neige, le plus haut sommet du massif du Jura? Donc, il a dit dans le département du Jura. Et en fin de compte, c'était dans l'Ain. Donc, vous voyez, donc, quand la production veut piéger les candidats. Elles peuvent le faire, mais sauf que bon, voilà, bon, mais c'est pas grave. Ensuite, quel est le nom de la pipe traditionnelle des Amérindiens? Donc voilà, la fellation. Donc, bien sûr, c'était le calumet de la paix. Et puis à la fin, qui conduit une Ferrari à Hawaï dans une célèbre série? Donc, bien sûr, c'était Thomas Magnum. Donc voilà, donc bon, bah, il a gagné 100 balles, ça lui fait 50 baballes dans la popoche. Eh ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bon, donc voilà quoi. Mais bon, j'ai vu que la presse People reprend pas mal les 12 coups de midi, parce que franchement, c'est vrai que quelque part, c'est un peu ridicule que ce maître de midi soit autant protégé. Moi, je m'en fous, hein, comme je vous dis, hein, c'est pas mon fric. Hein, mais bon, c'est vrai que quand on voyait Bruno, même Eric, moi je m'en rappelle, Eric, je me foutais un peu de lui, mais. Pas parce qu'il était nul, je me foutais de lui parce qu'il faisait la gueule. Alors lui, ben il en fait un peu trop, c'est-à-dire que voilà, on sent qu'il est à l'aise et tout, mais bon, point de vue maître de midi, je veux dire, s'il n'était pas aidé, il y a longtemps qu'il serait parti. Hein. Donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors comme on peut voir, on voit une ville derrière. Alors donc la ville qui est derrière, donc voilà, c'est cette ville. Voilà, donc c'est à Montréal. Un endroit où je suis déjà allé, qui est plutôt une ville très sympathique. Voilà. Et puis alors, donc, j'ai fait la recherche pour savoir qu'est-ce que c'était que cet endroit-là. Donc voilà, donc j'ai cliqué là-dessus. Et puis j'ai trouvé que c'était le marché de je sais pas quoi. Donc le voici, le voilà, ça s'appelle le marché Bon Secours. Voilà. Et donc, alors après, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que bon, je suis quand même chasseur d'étoiles. Bon. Donc bon, alors vous allez me dire, bon, bah c'est facile, vous allez nous sortir Céline Dion, comment dire, une personnalité canadienne, un truc dans ce style-là, ou bien, etc. Et puis je me suis dit, bah. Est-ce que pour une fois, les 12 coups de midi, ils vont pas nous faire un plan sur l'endroit, vraiment l'endroit? Et puis donc, j'ai tapé pour savoir, comment dire, dans ce marché, donc quel film avait été tourné. Donc on a pu voir qu'il y avait donc l'histoire de Benjamin Button avec Brad Pitt. Puis il y a plusieurs films qui ont été tournés. Mais comme on peut voir, regardez, une scène du film Les Schtroumpfs tournée près du marché Bon Secours dans le vieux Montréal a été tournée par la Columbia. Donc je me suis dit, comme ils nous ont fait donc Kirikou la dernière fois, et pourquoi ça serait pas un Schtroumpf? Voilà. Donc je pars sur un Schtroumpf, voilà, en attendant de voir bah, les autres éléments, puis en attendant de voir aussi si comment dire, une personne qui a été au 12 coups de midi qui va me balancer l'info. Donc voilà, sinon, bah, t-shirt du jour, toujours pareil. Hein. Moi, je suis à fond derrière Jean Lassalle. Bon, je sais qu'il va pas être élu, donc, mais justement, bah, voilà, moi, je trouve que c'est le candidat qui me plaît le plus. Donc voilà, donc j'ai mon t-shirt pour faire chier, voter Lassalle. Et puis ça, je crois que c'est le t-shirt culte de cette année, c'est voter au pif, voter Lassalle 2022 sur mon site tropmignon.com. Voilà. Et puis, bah, sinon, bon, bah, voilà, 294 057 euros. Et puis le mot de la fin a été dit, je me dis n'importe quoi, a été dit par Marguerite, qui a été très émouvante, qui a été très honnête. Vous voyez ce que moi, ce que j'aime, c'est que dans la vie, il y a des gens bons. Voilà. Il y a des gens bons, il y a des gens cons, il y a des gens honnêtes, il y a des gens malhonnêtes. Et on a vraiment senti que c'était une dame bien. Voilà. Donc si elle vient voir mes vidéos, je lui fais un gros bisou. Voilà. Allez, bonne journée. À plus tard.